aujourd'hui on est à Nantes hein, pour la sélection du Vic Tour, la première étape. Donc on est sur la salle du croissant. Voilà, donc ce matin on fait la pesée de 9h à 11h. Et normalement les débuts des combats auront lieu à midi. Bah, normalement il doit y avoir une centaine de combattants. Première étape à Nantes, donc on voit comment ça va se passer. Hein. Bah, je me présente, je suis Ismaël Ofkadji Mourad, je suis de Gracie-Bar à Nantes, je viens faire un tournoi grappling ici, Vic. Pour MMA, grappling c'est très important, de toute façon tous les combats ça part au sol, et au sol c'est grappling. Je suis venu faire le Vic. J'ai entendu qu'il y a des bons combattants, on verra. J'ai entendu qu'il y a des Gaël Grimaud qui viennent dans mon caté. Bah, on verra qu'est-ce que ça va donner. Bah, pour faire le MMA, c'est très important de savoir lutter au sol, faire du grappling. Pour faire le MMA, c'est la base, c'est grappling pour moi, personnellement. C'est juste son kimono, c'est le grappling. Voilà. Alors, je m'appelle Nicolas Renier, 25 ans, je viens faire les sélections pour le VIC 2011. Enfin, j'avais le choix entre Nantes et Marseille, donc le plus proche c'était Nantes. Je voulais faire les sélections d'un parce que c'est une bonne compétition pour se préparer pour les compétitions à venir, et puis après parce que j'ai envie de participer au VIC, tout simplement. Le VIC est une grosse organisation en France, enfin c'est la compétition où il faut aller en plus en fin d'année, donc non, c'est bien, ça permet de faire un bon bilan à la fin de l'année, quoi. Regarde, il est complètement déprimé. C'est bon, dis un petit mot à la caméra. Donc, on procède à la pesée avec tous les combattants. Donc il y a la pesée avec tous les poids, il y a 6 catégories de poids. Et là, bon, il y a un contrôle administratif, des papiers et tout ça. En fait, alors on a 1 kg de tolérance. Et à mon avis, ceux qui sont en trop, bah, faudra qu'ils courent. Ils ont jusqu'à 11 heures, voilà, pour être au poids. D'accord. 88,4. Allez. Donc maintenant, on va procéder à une méthode qu'on appelle la méthode chinoise, où en fait, il s'agit de faire le poirier assez longtemps sur pouvoir perdre les quelques grammes qui manquent. Bien sûr, si le candidat c'est pas bon encore. Non, le souhaite et voilà. 400 grammes, tu peux y aller. Fais le poirier. Non, mais on rigole pas, mais. Non, mais essaye, de toute façon, t'as quoi à perdre. Ah ouais, j'en ai 5 minutes. Essaye, tiens, mais 5 minutes. Là, si tu veux. Et là, faut fermer aussi, que ça permet de garder nos autres. Mais il y a un mort qui doit faire ça. Des bâches, toi, Marc, non ? De quoi ? Des bâches, comme ça, tu peux les installer, non ? Oh, non, on va les faire. Ah, c'est bon, c'est bon. Alors, ouais. Histoire de poirier alors. Ouais, ça marche. Hein. Sincèrement, perdu 300 grammes là en 3 minutes, ça marche. En fait, l'année dernière, on était en train de peser des Brésiliens au Vic 3. Alors donc j'ai dit à Panck, plus il reste de temps à faire le poirier, plus ils perdront des grammes. Alors bien sûr des centaines de grammes. Et ils me croyaient pas. Et donc les Brésiliens ont joué le jeu et en fait ils ont perdu jusqu'à 700 grammes. Et donc depuis, à chaque fois qu'il y a une compétition, vu qu'on arbitre un petit peu partout, je conseille à ceux qui sont limite au niveau du poids, bien sûr en ce qui concerne les centaines de grammes, de faire le poirier. Alors au début ils prennent ça comme une blague, puis finalement après ils me font confiance, ils le font. Et puis en ce qui concerne le compétiteur, bah, il l'a fait, ça a marché. Voilà. Non. Je m'appelle Mathias Jardin, j'ai 24 ans, je suis élève de Flavio Perroba. Le règlement aujourd'hui, il y a les clés de talons en plus qui sont autorisées, donc il faut faire attention à ça. Sinon, au niveau des amenés au sol, etc., c'est pas le même nombre de points, mais c'est la même philosophie. Donc, il faut faire tomber, il faut stabiliser. Si on veut tirer pour la garde, c'est pour travailler directement, sinon on est pénalisé d'un point. Donc voilà, le règlement il me paraît clair et bien fait. Voilà, on verra comment ça va se passer. Bon, ben là, il est 11h30. On s'attendait à avoir un minimum de 100 personnes, ben, on n'en a que 30.
Ce serait une question de licence, d'affiliation, etc. Donc, mon avis, c'est que nous, dans le règlement, on avait stipulé qu'il fallait des licences de lutte. Donc c'est peut-être par rapport à ça que les gens ne se sont pas déplacés, parce que la plupart ici dans la région, ils sont tous licenciés en JJB. Ah, la suite, elle est positive. Au lieu de procéder avec des combats éliminatoires, ben, on va procéder avec un système de poule, tout simplement. L'étape après la pesée, on va faire les tableaux, les poules et tout ça, et après on commence les combats. Voilà. Là on fait la mise en place, l'arbitrage, des bâches, voilà. Donc, Yaya Sibi, directeur de la Fédération Média Citoyen. Donc on édite en partenariat avec le VIC. Victor. Le VIC Tour 2011, en fait le guide solidaire écologique des quartiers populaires. Donc c'est le premier guide national qui présente les dispositifs d'accès à l'autonomie, à l'emploi et l'entrepreneuriat. Donc le VIC Tour 2011 en fait est partenaire sur le guide, et on va les accompagner sur les quatre dates à travers la France et promouvoir l'emploi pour les jeunes des quartiers, que ce soit à Marseille, à Nantes, à Élancourt et surtout à Grigny, quoi. Le lieu historique. Donc félicitations au VIC et bon courage pour la suite, quoi. Voilà, donc moi si je peux me permettre, Arnaud nous a accueillis ici à Nantes pour faire la première étape du VIC Tour Sélection. Et on a un très bon accueil, un très bon état d'esprit. Et aussi, ce que je peux dire, j'espère qu'à l'avenir, que voilà, le grappling va prendre de l'ampleur ici à Nantes. Et je compte sur Arnaud pour le développer. Bah, je voulais remercier déjà Joe de m'avoir fait confiance jusqu'à maintenant. Et puis j'espère qu'on pourra en faire encore réaliser des événements ensemble par la suite qui seront encore meilleurs que celui-ci. Voici les médailles du VIC Nantes. Et donc ça, c'est la médaille de bronze. Voilà, la médaille d'or et la médaille d'argent. Voilà, bon, elle est grande, hein. Si vous voulez voir ce que ça fait autour de mon cou, ça fait à peu près ça. Et voilà. Jolie médaille. Je vous écoute. Alors, l'islam. Qu'est-ce qu'un slam? À la base, un slam, c'est une projection. Sauf qu'effectivement, dans le règlement, il est marqué que c'est un interdit. Je suis pris en jujigatame ou en triangle. Enfin, un triangle sera plus facile pour que je te porte. Voilà. Je suis ici, je veux m'échapper du triangle. Je le porte. Et boum! Je l'éclate. Donc toutes mes projections simples de perte d'appui, aucun problème. Mais ce type de slam, c'est-à-dire soit en clé, pareil pour la clé de genou. Je suis en clé de genou, je lève mon pied, je l'éclate, ou je sais pas, ou jujigatame. Même omoplatage, je le lève. Toutes les clés où il y a une, comment dire, en position de clé et que je l'éclate par terre, ça c'est interdit. Voilà, et c'est même pénalisé d'un point. Quelque chose d'important. Une clé débutée à l'intérieur, mais qui se termine à l'extérieur, cette clé ne sera pas validée. Pas d'autres questions? Bon, ma foi, il n'y a plus qu'à alors. Très bien. Eh bien, vous avez cette surface pour vous échauffer. Une information pour vous sachiez par rapport à la finale. Donc on prend les trois premiers de chaque catégorie sur Nantes. Donc courage, bon échauffement et bonne compétition. Vainqueur, le frère Frédéric.
Change Chamil, t'auras rien là. Allez, travaille Chamil, travaille. Oui, dans le dos, dépêche-toi. Premier combat, c'était bien difficile, comme je ne connaissais pas mon adversaire. Voilà. J'ai essayé de faire plusieurs clés. Ça n'a pas marché. Ensuite, je suis parti sur un étranglement qui a bien marché. Voilà, je me sens un peu fatigué, mais j'aurais pu récupérer un peu. Je crois que ça va aller. T'as les jambes. Voilà, allez, vas-y, voilà, c'est ça. J'étais sûr de moi, de mon esprit. Il fallait rester lucide et combattre normalement. Pas chercher des clés ou quoi que ce soit. Avoir le combat et ensuite faire ce qu'on a à faire. Comme j'ai fait à la fin. J'ai attendu pour le faire la clé. Et j'ai attendu, j'ai géré mon combat et j'ai fait la clé. Je remercie l'organisation d'avoir fait ce combat. Je remercie à vous tous. Ouais, ça s'est plutôt bien passé, j'avais rien en tête, c'est ma première compète, c'est mon premier combat en compète. Donc j'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai cherché à être très très offensif d'entrée, à rien laisser passer. Et puis ça s'est bien passé pour moi, j'en suis très heureux. Bon, on va rester humble et essayer de continuer dans une bonne voie. Tire ton épaule gauche sur la gauche, descends sur le côté droit, descends sur le côté droit. Voilà. Ouais, je suis assez satisfait. C'est moi qui ai initié et l'amener au sol. Je l'ai stabilisé au sol. J'ai pris le temps. J'ai fait deux attaques et j'ai reçu la deuxième. Tranquille. Donc il n'y a pas de soucis. On a un peu tétanisé des avant-bras pour le tour suivant. On va se remettre.
Laisse passer Ange vers toi. Repousse Ange. Top, top. Ouais, donc c'est un combat qui s'est passé plutôt pas trop mal pour moi, donc je suis rentré directement sur un anaconda et j'ai soumis donc mon adversaire. Apparemment le souci c'est que cette technique justement elle est pas, va pas, enfin ils veulent l'arrêter sur la compétition, donc c'est mon spécial, j'aime bien la rentrée, donc bah on va faire autre chose, on verra bien, on prendra le prochain combat comme il viendra. Allez, force. Vainqueur Sébastien. Encore, descends ton bras, descends un petit peu Mourad. Vas-y, encore, mets la pression Mourad, encore, descends ton bras, passe entre les genoux, oui. Ouais, je suis satisfait, je me sens bien. Bah moi, ce que j'aime, c'est que les chevilles, que les deux genoux. Et voilà, c'est passé. Pour la suite, je donnerai tout ce que j'ai, toute ma force pour gagner. Allez Gabi, bouge. Sors d'ici, il t'a pas. Merci. Ouais, je me sens bien, c'est un bon premier tour. Voilà quoi, c'était une bonne entrée en matière. Donc je suis assez satisfait, ça va. Comment on fait pour gérer? Déjà on essaie de pas trop tarder, enfin pas trop s'échauffer parce que sinon on va se fatiguer. Donc bien s'échauffer, mais moi ce que je fais c'est simple, je vais demander à la table d'arbitre à peu près quand est-ce que je passe, même si j'ai pas trop le droit. Mais non, il faut essayer de gérer sur l'échauffement, pas trop s'échauffer, enfin pas s'échauffer trop tôt, pas s'échauffer trop tard. Voilà, faut bien souffler surtout pour bien expulser le stress. Ça va, ça faisait longtemps que j'avais pas combattu en grappling, donc je voulais prendre un peu les sensations. Je sais qu'il fait du sambo, donc je faisais attention debout. J'ai fait la technique que je faisais souvent, mon arm drag. Voilà. Après au sol, demi-garde, j'ai essayé de passer, défendais bien. Je suis allé chercher vraiment ce que je fais tout le temps. Anaconda depuis la mi-garde, voilà, bon bah ça a passé, il a tapé, tant mieux pour moi. Et puis bah, on verra les autres tours. Bah voilà, j'ai perdu par étranglement. Voilà. J'ai tenté de faire une clé de cheville, mais il m'a étranglé. Quoi. Voilà. Bon, c'est pas mon sport. Je me suis fait plaisir. Je suis content de moi. Voilà. Vas-y, viens au sol. Reste debout.
A duré un peu plus longtemps. Je crois que je menais 20 à 2 et à 10 secondes de la fin, j'arrive à finaliser l'adversaire en guillotine. Ok. Pour la suite, t'es toujours prêt? Qu'est-ce qui se passe en fait? Ouais, ça va, je suis bien dans ma tête. Ça m'a un peu essoufflé, bizarrement, mais ça va, je suis confiant, on verra bien la finale. Juste pour dire qu'à la base, en fait, je suis pas un grappleur de pur grappling. Je suis issu de la lutte libre, lutte gréco-romaine. Et ces derniers temps, je pratique un peu le jiu-jitsu brésilien. Ça fait que par rapport à toutes ces techniques de jiu-jitsu brésilien, j'ai vu qu'il y avait cette technique un peu spectaculaire, le jiu-jitsu, la volée. Et pour donner un peu de spectacle pour tout le public, j'anime un peu sur le tapis pour faire un peu d'ambiance. Et c'est ça le grappling, ça, c'est pour faire plaisir à tout le monde, il faut faire un peu de spectacle et pas laisser endormir sur le tapis quoi. Pour la suite, alors là je pense que c'est la finale, je pense que c'est contre, je sais pas c'est qui, peut-être Nicolas Régnier, parce que je vois qu'il a gagné tous ses matchs aussi. Alors, je sais que c'est un très bon combattant grappling, je le connais pas personnellement mais j'ai pu le voir sur internet et tout ça. Ça fait que je vais faire comme d'habitude, je vais donner le meilleur de moi-même. Et aller au taquet, et donner du spectacle, et j'irai pas en reculant, j'irai toujours dedans quoi. Il n'y a pas de souci pour ça, je vais essayer de faire le spectacle, et si je perds, c'est pas un problème pour moi. Voilà. Jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé, on a vu quand même des combats très intéressants.
Personnellement, bon, on avait des questions à se poser concernant le niveau à Nantes, mais très honnêtement, on a vraiment des très très belles surprises. Les combattants sont au rendez-vous, on a des soumissions, on a vraiment des positions intéressantes, etc. Non, vraiment, on a vraiment de la qualité aujourd'hui. Hein. On n'est pas déçu du voyage. Hein. Voilà, on va commencer les 3e places. D'accord. Et puis ensuite, on va attaquer après donc les finales hein, pour déterminer donc premier, deuxième, troisième qui seront qualifiés eux pour le tournoi de Grigny le 4 juin. Bah, le combat déjà je m'attendais, je pensais que c'était mort parce que première compète j'y croyais pas trop et puis j'y suis quand même allé à fond et bien à ma grande surprise c'est passé, j'ai tout donné, ça a été infiniment long, je savais pas que ça à 5 minutes ça pouvait être aussi long et donc voilà, plus grosse satisfaction, j'espérais pas ça, j'espérais juste passer un tour, j'ai passé un tour et puis bah voilà, c'est au final je suis qualifié donc c'est super. Je commençais à être un petit peu d'une autre catégorie, un vétéran. Donc, mais bon, la finalité c'est de se faire plaisir, c'est de faire découvrir le grappling à tout le monde. C'est surtout ça quoi. Faire des beaux combats quand on peut, en gagnant ou en perdant, parce que des fois, même quand on perd, on arrive à faire des beaux combats. Et puis, voilà quoi. Voilà, j'ai été repêché pour la 3e place. Je suis content et j'ai tout donné là sur celui-là. Je savais que j'allais pas pouvoir le finir. Physiquement, j'étais un peu juste. Mais j'avais envie, tu vois, la rage. Et ça a payé, quoi. J'ai senti que ça pouvait passer. J'ai arraché sur la clé, quoi. Donc là, je vais me préparer pour le mois de juin et je serai là, quoi. Merci. Toujours parti chercher sur ce que je sais faire. Anaconda depuis la demi-garde, voilà. J'ai eu la chance de bien l'attraper directement d'entrée. Donc après j'ai forcé un petit peu, j'ai réajusté un peu et puis bon bah il a tapé.
tant mieux pour moi toujours. Après bah, la finale du Vic, c'est la finale du Vic, en plus c'est à Grigny, donc on sait que ça va être chaud. Il y aura beaucoup de grosses têtes. Donc voilà, l'année dernière j'ai eu la chance de le faire et la chance et le privilège pour moi d'affronter Anderson Pereira, donc grosse pointure. Donc voilà, je gagne en expérience et puis bah, je serai présent et voilà, on se retrouve là-bas. Ça s'est bien passé, j'ai pu faire deux amenés au sol qui m'ont ramené des points, passer la croix. Donc j'étais assez à l'aise depuis le début du combat, je pense à la troisième minute, je menais déjà 4-0, 6-0, je sais pas. Donc j'étais assez tranquille, donc j'ai géré, maintenant c'est gagné, c'est tranquille. Donc maintenant ce qui nous attend, voilà, c'est le mois de juin, le VIC, la finale. Donc là il va y avoir beaucoup de monde. Il y a pas mal de gens, j'attends la revanche pour moi de l'année dernière. J'ai perdu au deuxième tour, en quart de finale, contre un très très bon combattant. Donc j'attends d'avoir ma revanche. Peut-être certains attendent d'avoir leur revanche aussi. Donc voilà, je convie tout le monde à venir. Ça va être un beau spectacle. Était dur, franchement il était dur physiquement. Après ça se sent qu'il a pas, bon il a pas énormément de technique. En plus j'ai parlé après avec lui, il vient d'un petit club, mais non franchement très bien, très fort physiquement, debout, fort aussi sur les appuis, donc non c'était une belle finale. Bah le Vix franchement enfin ça me plaît, j'ai jamais gagné en plus, donc raison de plus pour la faire et puis pour essayer de le gagner quoi. Donc bah une finale qui s'est bien passée, du coup j'ai refait l'anaconda en partant au sol, c'est bien passé, bon, très bien, assez rapide, tant mieux, j'avais pas envie que ça passe, que ça dure trop longtemps, donc c'était l'idéal. Je passe aussi un petit bonjour à Guillaume et à toute l'équipe VKG. Et voilà, vraiment merci à tous et bonne continuation. Une étape de passée. Okay. Donc, je demanderai à tous les vainqueurs, s'il vous plaît. On va se préparer pour le mois de juin et bref, je sais pas trop comment ça va se passer. On va faire quelque chose, un podium au Vic, quoi. Donc, on va s'entraîner pour. Et... Vous savez que Nantes n'était pas la région la plus peuplée en termes de compétiteurs, mais en général ça reste quand même un bilan positif, de bons combattants, de bonnes soumissions et un bon public quand même.
Moi je tenais à rajouter pour la promotion du sport, du grappling et tout, franchement on est fiers pour une première fois. J'espère que l'année prochaine on aura beaucoup plus de monde. Voilà. Moi j'ai bien aimé le combat de Ibrahim Leroux de Viva City, voilà, qui est de notre club, et Nicolas Régnier. Nicolas Régnier qui ont fait le déplacement quand même depuis Paris. Voilà. Donc ce qui a permis de relever le niveau quand même, il y a eu de beaux combats, de belles soumissions. Et je pense que les prochaines étapes, il y aura vraiment du lourd et de très très belles surprises. Prochaine étape, c'est le 30 avril à Marseille. Après le 7 mai, elle en cours, Paris-Île-de-France. Et ensuite, et la finale, donc le 4 juin sur Grigny, dans le 91. On vous attend tous.